FBI débarqué Haïti. Gros kè cassé, pral gen kouri. A consigné toute disposition déjà pran ou pral tande ou pral jwenn ni nan bon ti mamite ki sa bagay la ye rete la. Ariel Henry bon côté pal rele autorité CARICOM yo pou di bagay la trop pou li vine del forme gouvernement yo te vle forme nan peyi d'Haïti a. Opposition a semblé pral genyen batay la. Ariel Henry comprend li pa kapab encore el rele autorité nan CARICOM vin bal kout men mesdames et messieurs. Et bien ki te ndi ou trafic organe nan peyi d'Haïti gros déblosay pété gros révélation faite. Rete là ou pral tande koze. Ou pral wè comment gang yo a vann organe moun nan peyi a. Moun yo touye yo, yo pa bay yo konsa. Yo pran yon pati nan kò yo pou yo vann. Rete là Global Initiative qui sont organisations qui basé dans pays la Suisse li bay tout détail ou pral vinn wè ou pral vinn comprendre. Gros bonjour, gros bonsoir tout le monde. Jean Remedil Bouik chargé pa kanpe. Mesdames et messieurs, question accord entre les États-Unis et pays d'Haïti li daté de longue date. Depuis sorti nan concordat de Damien sorti mesdames et messieurs avant occupation américaine même pour rentrer dans occupation américaine t'es toujours gon quantité accord qui t'a signé entre Haïti et les États-Unis. Est-ce que nous songeons loi Corvea? Eh bien qui t'aime dire une nouvelle page dans l'histoire d'Haïti à peine ouvri là qui s'est passé qui sa information aye. Comme c'est toujours devoir nous toujours bay tête nous ça comme mission pour ne pas quitter rien passé pour ne pas venir dire ou qui ça lié mesdames et messieurs. Les États-Unis signé un accord avec pays d'Haïti. Côté t'a pral gagner mini justice là madame Emily Prophète Milsey qui lui-même t'es trouvé nan pays tonton Sam nan objectif pour te participer nan rencontre ak yon délégation kenyan même Jean avec Francel Bete Bokotel qui c'est directeur police nationale. Et bien moun sa ote al chita avec délégation kenyan nan et quelques autorités américaines pour ta capable konnen ki jou ki date ki ane force multinational la ap rive nan peyi d'Haïti. Gros chita pale fèt et nan moment chita pale yo mesdames et messieurs, pral gen les États-Unis ki te deja gen yon fey de out si autorité haïtienne yo, lè yo t'ap déplacé, ou pa konn pou ki sa yo t'ap déplacé, ou encore te juste konnen, yo pral rencontre ak délégation kenyan nan. Et bien les États-Unis t'es déjà préparé yon document mette là. Les États-Unis t'es déjà pris toute disposition pour mettre yon document chita leur autorité haïtienne yon rive entre parenthèses. Eh bien yon pral chita avec yon pour yon présenter yon nouveau document ça pour dire mais qui plan les États-Unis gen. Rive après 2-3 jours rencontre avec délégation kenyan nan, eh bien rencontre avec délégation kenyan nan pral fon ti campé, eh bien les États-Unis pral di m gen bagay pam pou m parler ak Haïti, yo gen bagay pa yo pou yo parler avec soi-disant autorité haïtienne yo mesdames et messieurs la personne de Francel B Emily Prophète. Eh bien Emily Prophète Milsey qui c'est ministre justice dans pays d'Haïti pral wè les États-Unis présenté yon document. Ki sa ki nan document? Ki sa bagay la ye? Gale kaye ou? Pran ti chèz. Nan document, mesdames et messieurs, les États-Unis présenté mini justice la pou l'dil ke nan l'idée pou combattre insécurité ak violence nan peyi d'Haïti,
Dans l'idée pour ba écoute mais ak police nationale nan bataille ap mené contre insécurité a, eh bien les États-Unis gagnent yon nouvelle structure que l'envie mette en place là. Mais le besoin autorisation nous que c'est conjointement nous doit signer mesdames et messieurs autorisation structure ça pour rentrer dans pays d'Haïti. Eh bien qui ça qui en dedans document ça mesdames et messieurs. En dedans document ça qui présenté par gouvernement république là ou encore par mesdames et messieurs l'ambassade américaine en Haïti disons 15 février 2024 qui saute passé là, eh bien, on fait qu'on est amis internautes fanatiques médias haïtiens. Dans notre ça, pays les États-Unis et Haïti, ils ont franchi une étape importante dans le lancement une unité transnationale enquête criminelle qui c'est ITEC. Les États-Unis, dans bon créole, ils relèvent ITAC. Dans la coupe Port-au-Prince, cap capable répondre à besoin urgent Haïti gagner dans affaires sécurité. Nous signons un accord semaine qui saute passé à HSL HKI, c'est une compagnie sécurité dans pays États-Unis pour établir un ITAC ou bien UTEC. Eh bien, qui rôle ou encore qui fonction UTEC là en français? ITAC en créole. Qui fonctionne, mesdames et messieurs? Eh bien, j'en entendais l'en note là. Y a vin aider Haïti ou encore travail sous crime transnational. Y a vin travail conjointement avec pays d'Haïti pour être capable de poursuivre, quel que soit national et international, criminel. Eh bien, selon ambassade les États-Unis, mesdames et messieurs, yo pral goumé contre activité gang yo, yo pral goumé contre insécurité yo, et yo pral établi yon bureau dans la cour Port-au-Prince. Donc, dossier là, li pa piti. En pile moun a posé question, qui sa bagay la yé même? Qui ça qui gagne dans dossier même comme c'est mission nous comme nous baï tête nous ça comme mission pour que nous di ou qui ça li jonté ouais Jovenel Moïse te vini li te mette un service renseignement à Nian nous songe qui débloza équipé té dans pays d'Haïti pour causer à ni ça côté nèg di Jovenel mette un service secret kap vin rentre la kayou l'importe moment kap vin mette mizo nan bouche moun kap pale contre gouvernement. Eh bien, nèg si rele an mwe, nèg si pete de blozay, yo di question anian, sa a pa passe. Jovenel oblige li fe bak. Eh bien, mesdames et messieurs, nan communique sa ambassade américaine dans pays d'Haïti mettez dehors sous ça qui gen pour ak unité transnationale d'enquête criminelle là qui c'est UTEC. Elle dit c'est pour répondre aux besoins urgents d'Haïti. Donc à travers accord ça mesdames et messieurs, les États-Unis pral vin mette yon bureau en Haïti. Et bureau ça, c'est comme si j'm'te dit l'en commencement pays d'Haïti, j'm'te dit l'en commencement émission, c'est comme si c'est FBI qui a privé sous une forme dans pays d'Haïti. Ça va gagner là. Unité ça, son unité enquête. Pas oublier, FBI nan ki sal spécialisé. C'est dans question enquête. Donc nous ta capable di son annexe FBI cap en Haïti. Donc unité enquête ça zami internaute li pral gagner sous une forme ou bien une autre pour travailler conjointement avec autorité haïtienne yo. Peut-être
ou gen doit dire c'est son femme parce que Haïti n'a pas la capacité vraiment pour quand même mener des actions sous sol américain. Yo pa pral, mesdames et messieurs, poser des actions aux États-Unis, mais les États-Unis li gen plein pouvoir lan mel pour poser des actions en Haïti. Alors que si n'ta ale nan akò préval te siye avec gouvernement américain sous question extradition ou encore les États-Unis capable vinn arrêter moun nan pays d'Haïti. Mais sous yon forme nous capable di ou encore virtuellement capable di son accord binational, son accord bilatéral. Mais dans l'accord préval là, dans l'exécution li, dans le mode d'agissement li, dans le mode d'action li, mesdames et messieurs, li pas binational. Son accord unilatéral, parce que c'est les États-Unis qui plein pouvoir syndicagi. Dans l'accord préval là, combien fois ou est les États-Unis débarqué ou encore disons Haïti débarqué aux États-Unis, autorité Haïti haïtienne yo débarqué aux États-Unis pour y'al font arrestation? Non. Combien extradition qui fait sorti aux États-Unis pour rentrer dans pays d'Haïti? Mokoel. Donc question à coxien, yo pral travail en commun accord, yo pral travail main dans la main pour yon ensemble criminel qui sous sol américain, haïtien kal pran, ou bien, m'pa konnen, c'est yon forme. Parce que les États-Unis, vraiment, yon pa jam bay droit avec Haïti, ou encore Haïti pa gen capacité pour y mener des opérations sous sol américain, ou fréquent pile. Ou tap sou moun an pile, ti pays ke oye, Haïti. Bon, même là, Haïti, autorité haïtienne yo pa ka mener des enquêtes, même là yo pa ka mener des opérations. Eh bien pourtant de yo pralé, mesdames et messieurs, dans pays blanc américain. Eh bien bureau sa kap vin installé là dans Port-au-Prince là, nous capable di c'est FBI sous yon forme. C'est FBI sous yon forme. Mais tout moun kap li entre les lignes capable di comment les États-Unis pral vin combattre insécurité ou encore ap mette bureau, ap mette unité, ap mette agence en Haïti pour yon même capable voyager sous question insécurité a, pour capable voyager sous criminalité dans pays d'Haïti, alors que question zam lan, question insécurité a, c'est eux même qui mette le pa bo ici. Ou pa d'accord avec non internet? Ou pa d'accord avec non? Question insécurité qui là, c'est travail les États-Unis. Jodia, yo décidé pour vin offrir nous une unité transnationale qui c'est UTEC qui vient combattre insécurité à criminalité dans pays d'Haïti. Donc sous qui forme, camarade, j'ai ça pour nous. Eh bien, dis-moi sous qui forme, mesdames et messieurs, parce que si les États-Unis c'est problème, non, sous qui base la solution, hein? Et de me comprendre, si les États-Unis c'est problème, non, quand elle prend le passé là pour une solution, hein? Donc, c'est ça, notre triangle, cap maintenant. Côté négro montré, yo c'est sauveur, alors que, dans un premier temps, c'est yo qui est bourreau, c'est yo qui est oppresseur là. Eh bien, je dis, yo c'est sauveur. Il y a une vente tête yo pour sauveur. Eh bien, mesdames et messieurs, ça va étonner, sous ta levé la caille un bon matin, ou est quelque agent FBI a frappé porte caille. Pas étonné, ou, parce que yo mette UTEC. UTEC là, qui côté la sorti? Qui est-ce qui a composé? Faut que nous comprenions ça tout. Qui genre de moun kap composé? Qui nationalité? Est-ce que c'est pral haïtien avec américain? Et me garantis, si toutefois tu as bien une fusion, c'est pral 90% américain kap nan UTEC
et 10% haïtien yo pas même gen pouvoir, yo pas même gen action. Donc c'est les États-Unis qui viennent imposer là. C'est les États-Unis qui viennent déposer sous sol là pour que yo même yo gen contrôle et sécurité à pi bien. Parce que c'est eux même qui t'ai déjà voyé le ban nous insécurité importer ça. Yo t'ai déjà voyé le ban nous mesdames et messieurs. Kounya yo perdu contrôle li. Yo di ba yo avance et puis prêt pour yo capable gen contrôle ça k'ap fait à terre là. Yo di ba yo rive en Haïti mesdames et messieurs pour yo capable gen contrôle ça k'ap fait à terre là. Eh bien, en pile nèg la tout ka commencé dit tête yo jwet la capable gâter avec présence bureau ça en Haïti. Avec m'ta capable dit présence bureau ça en Haïti gen nèg ki capable dit là, jouet la capable gâter. Li tap yon bon bagay, oui, mais si, et seulement si, sincérité a l'été là. Si et seulement si te gen sincérité, c'est tap yon bonne chose pour le pays. Et pour deux pays yo. Parce que si, mesdames et messieurs, Haïti, c'est pays nan monde plan qui voye, qui gagne plus ressortissant dans pays américain. Donc je dis à là, c'est un bon bagaille pour une collaboration qu'on s'est fait. Le nous garde niveau criminalité qui gagne dans société américaine. Non, et presque 30% là-dedans, c'est noir qui a commetté. En pile haïtien a fait gros crime, touye madame yo, touye proche yo dans pays blanc américain. Donc si toutefois te gen sincérité nan nouvelle unité ça qui prend naissance là, si te gen sincérité là-dedans, c'est tap une bonne chose. Mais nous pral gade, les États-Unis pa jam bay haïtien droit ça. Et ou attendez, yo parle de poursuite pour criminel yo, c'est criminel haïtien. Pour yo poursuivre nèg k'ap fè une série action dans pays là. Et bio ça la mette en Haïti pour que ça haïtien pas le mette pour que ça yo pas bail yon bio tout dans pays blanc américain côté haïtien t'a gain contrôle parce que nous gon quantité haïtien k'ap vive l'autre bois côté nous gon quantité haïtien k'ap vive l'autre bois et qui vrai avec ça les criminalités dans société américaine non au moins t'a gagné mesdames et messieurs yon juridiction haïtienne qui t'a va trancher une série dossiers l'autre bois tout même j'ai décidé vinn imposer nous là yo UTEC yo UTEC mesdames et messieurs eh bien pour vinn travail contre insécurité pour vinn mener enquête sur une série crime avec dérive qu'a fait dans société haïtienne beaucoup n'a nous fin chita sous et mesdames et messieurs à quoi en gros mais qu'on y a tout en garder signataire en garder qui est ce qui signe garder qui moun mesdames et messieurs qui représente pays d'Haïti nan akò sa qui rale plume ni qui dit la signe pour Haïti madame sacrée Emily prophète 1000C Emily prophète 1000C mesdames et messieurs qui c'est ministre justice dans pays d'Haïti donc c'est lui-même qui décide là l'en non pays a licier à cause ça kounya à qui qualité comme ministre justice alors que madame ça c'est madame qui te rete le dire pas bon ici nous bon quantité territoire nous pas besoin encore bon quantité espace dans pays à là Emily prophète te prend micro la presse pour le dire nous pas compter sur yo encore nous perdu yo yo te accepté au perdu yo jodi à là dans un gouvernement de facto yon madame qui dit le ministre son poste yo prend en otage donc c'est tout gouvernement qui prend pays en otage eh bien le calcier dans nos pays d'Haïti. Donc, gonne qui te dit ça, m'kwe c'est Jovenel Moïse.
tout mauvais accord, accord pas fait corps, accord devant derrière toujours signé yo, c'est toujours mesdames et messieurs gouvernement transition. C'est toujours des gouvernements qui pas élus qui signé yo mesdames et messieurs. Eh bien, jodi a la, qui est-ce qu'al signé accord si là? Qui est-ce qu'al signé? C'est Emily Prophète qui représentait un gouvernement pas chita soyen. Emily Prophète mesdames et messieurs, qui a signé accord ça? Gouvernement fait partie son gouvernement qui prend un pays en otage. Son gouvernement prend pays en otage. Alors même Emily Prophète ça, gon quantité moun kap mouri la kayli, gon quantité moun mesdames et messieurs kap kouri kite la kayo, et yo accepte ça côté il dit que haïtien prend zam yo, que haïtien défend tête yo. Emily Prophète dit même li te prend bouche dit mesdames et messieurs li mande pour tout moun défend tête. Tout moun défend tête yo jan yo capable. Donc jounen jodi a comme Pitek li pral implanté en Haïti, li pral vin installé en Haïti, Emily Prophète te bay l'ordre pour moun défend tête yo ak sa yo genye. Eh bien kounya la ti malè te gen bout manchette li, on ek te vin monter sou mila ka li te coupé point, li te coupé tête li a. Jodi a Emily Prophète ak tout les États-Unis capable attaquer yo. Hein, même côté le té bordoa pour défendre tête ou axe ou gain parce que le pas vle prendre responsabilité parce que li pas vle agir parce que te livré une série zone ak nèg armé jodi a décidé al sien encore pour gagner yon structure là yon unité kap vin installer dans pays d'Haïti kap vin combattre insécurité. Eh bien jodi a la mesdames et messieurs Emily Prophète li décide là l'en non l'état haïtien Jean Jovenel te dit tout accord qui pas fait koyo accord koyo c'est toujours gouvernement de facto yo, gouvernement qui pas élu par le peuple qui toujours signé yo c'est gouvernement pas chita soin yo toujours signé yo allez na année 2004 comprendre avec gouvernement Gérard Latortue ou avare qui quantité dérive qui fait nan signé un quantité accord ak international là et c'est depuis après 2004 ou pral wè mesdames et messieurs on dit pi près nous là gagné quantité dérive ça yo k'ap fait non quantité accord bon on regarde accord signé déjà entre Haïti avec les États-Unis qui est tombé yo. Qui ça yo fait pour pays? On t'a dit accord sous trafic zam. Côté les États-Unis dit, li mette embargo zam sous pays d'Haïti, zam pa ka sorti, États-Unis pour rentrer dans pays d'Haïti. Ça c'est pipi de chat. Jouet ti moun qui t'a fait, c'est sous forme accord ça a été signé, c'est sous forme. Yo te prend disposition ça parce que jodi a 99.9% zam qui rentre dans le pays d'Haïti, c'est États-Unis au sorti. Pour ne pas dire 100%. 99.9% zam qui dans le pays d'Haïti là, c'est États-Unis au sorti. Et ceci, zam ça yo, mesdames et messieurs, les États-Unis connaissent rentrer dans le pays là. Alors que gagné contrat gagné accord que sien pour pas quitter zam rentrer dans pays d'Haïti. Eh bien zam continue à rentrer. Zam continue à tailler banda dans pays ya. Eh bien nèg yo vin bluffer moun oui aussi un accord. Accord pour mesdames et messieurs vin contrôler zak insécurité, criminalité, crime transnational. Donc, nèg yo sou bluff. Eh bien, Emily Prophète continue nan non l'État haïtien a engagé pays. Et kounya, mesdames et messieurs, fok nou di ou tout, avec monte structure sa, information nge la,
nan jou sa yo la même semaine sa, ordonnance juge instructeur Walter Weser Voltaire li dwe ran. Mandem sa gen structure sa k monte a la, ta dwe commencer à agir information mesdames et messieurs parce que là dossier Jovenel Moïse là est-ce que nous songe article Miami Herald te sorti après yo te fin annoncé un document additionnel qui te mette sous dossier Christian Emmanuel Sanon côté il ta dwe passer toute 13 ville dans prison et ben Miami Herald te dit que nan façon la justice a la marché, enquête la marché dans le pays d'Haïti sous Jovenel Moïse. Da. Enquête qui est pour avec Jovenel Moïse, da. Façon la marché dans le pays d'Haïti, selon Miami Herald, c'est nettement différent avec les États-Unis. Et bien, Kounia, avec nouvelle structure ça qui monte là, avec nouvelle unité ça, ta doué gagner un marché pressé. Ta doué gon marché pressé et gagné juge Walter et c'est Voltaire qui ta doué rendre ordonnance si semaine ça là selon information gen. Parce que les États-Unis voulaient passer à une vitesse supérieure dans dossier. Les États-Unis semblaient parer là pour prendre dossier et après ordonnance sorti bon pral gen courir pire. Pral gen courir pire si nèg yo là nan ordonnance nan c'est ordonnance politique qui apprend yo décide fourer nos ti jan yo fourer ti James la dan m'pa bon menti pa gen bloc pou laver parce que les États-Unis pral agir les États-Unis pral décider là après ordonnance en sorti y a maré nèg tan kou krab information donc parce que on connaît ordonnance pral sorti en Haïti 7 mai concrétiser là arrêter une série moun juger une série moun non c'est jouet ti bébé le pralier donc les États-Unis là veulent changer stratégie dans dossier donc presque 100% jugement l'état doit fait dans pays blanc américain donc parce que qui s'est passé les blancs américains voyez yeux li garder li wè se jwet ka fèt nan dossier a pa bo ici. Li di tèt li, si se kon sa yo rete ap gadel, y a fè travay pou ayon bon, Haïti a fè travay pal, donc pèp la pral rentre nan confusion. Pèp la pral rentre nan confusion, pap janm genye yon lumière ki jayi vreman sou dossier. Mais là encore, les États-Unis peut-être nan contradiction avec propre tèt li. Les États-Unis capables, mesdames et messieurs, pas de cohérence dans l'action, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils veulent faire. Parce que qui ça? Citoyens qui supportent, qui relèvent Ariel Henry. Citoyens, les États-Unis décident de Kimbe Mel. Yo Kimbe Keves, lui. Yo dit le pape faire une pote là. Mesdames et messieurs, je dis à la. Lise ou nan moun non le cite bien fort. C'est pas bagay jouet, non? C'est gros parole qui dit soit Ariel Henry nan assassinat Jovenel Moïse. Mais combien fois, mesdames et messieurs, Ariel Henry, les États-Unis te décide soit pour opposer une action contre Premier ministre Ariel Henry. Alors que vous dites, bah écoute, mais m'ral font rappel pour nous. Gagnez amis internautes, fanatiques, médias haïtiens, yon citoyen, si nous avons suivi avant dernière émission, bon citoyen qui relè Rudolf Jean, alias Dodolf, homme d'affaires haïtiano-chilien. Qui s'est passé? Eh bien, Dodolf t'es décidé plaider coupable dans, mesdames et messieurs, yon tribunal fédéral dans la Cour Miami. Eh bien, après Dodolf plaider coupable, ou Dolja, après elle fin plaider coupable, zami internaute, il t'es décidé tout, dans même plaider coupable ça,
nan même acceptation que participer dans assassinat président Jovenel Moïse sous une forme ou l'autre là li té décidé by autorité yo selon Washington Post toute vérité côté elle dit crime ça li entrer là dans là c'est un citoyen crélé Joseph Félix Badio qui t'a invité le venir participer dans cette cérémonie rencontre ça côté champagne t'a boire planification t'a fait ou dans jaté confié à Washington Post pendant le temps cavale en République Dominicaine il était confié avec journal américain Washington Post que Badio c'est un nègre qui te fait en pile confiance parce que les Badio invité le dossier il pas décidé rentrer parce que il était quoi gagner conséquence là au fin assassiner un président là il t'a décidé tuer un président ou doit déjà fait connait il était connait gain conséquence mais Badio te bal garanti que si on touye président gagné une couverture à joindre et c'est dans même moment l'an dernière rencontre yo ou dans Jacques dit décider pour le bail gros somme l'argent c'est parce que Joseph Félix Badio pral dit eh ben yo joindre un bon grain soldat qui a monté dans gouvernement qui est lié d'après nous même les mesdames et messieurs yo dit Rudolf Jassa Badio dit gon grain joué k'ap monter dans gouvernement là c'est joué pal li dit tête li bagay la gen le a facile si c'est comme ça d'après nous même qui est Badio dit yo gagné k'ap monter dans gouvernement Badio dit c'est Ariel Henry Ariel Henry qui vin selon Badio qui t'est nommé alors c'est pas selon Badio qui t'est nommé pour le devine premier ministre Jovenel Moïse t'est nommé Ariel Henry sans mi internaute et bien Badio pral décider là pour le bail vérité et bien Ariel Henry pral premier ministre et li di ou dol genre comme ça si nous premier ministre si toutefois alors nous touye président Rudolf Jacques t'a parlé moi gen premier ministre qui pral supporter nous Ariel Henry pral supporter nous et nous pas gen rien encore Rudolf Jacques décidé bay kòb et Badio même Badio relé Ariel Henry li dit mais ça passé li besoin support et même yon jour après crime là bien que avant et après ou t'a parlé relevé téléphonique yo là Badio ba vérité yo pas dit nous ça Badio relé Ariel Henry li dit Ariel Henry selon Washington Post selon déclaration Rudolf Jacques fait dans Washington Post ça me dit là yo pas moi qui dit yo Badio relé Ariel Henry li dit aidez-le quitter pays là parce que bois maré là yo fin fait crime là pas gen côté pour passer là état d'urgence décrété dans tout pays a Ariel Henry dit Badio font titan m'pral faire quelques contact yo pas atteindre objectif yo qui t'a aidé qui t'est là pour aider Badio qui t'est pays a et bien Ariel Henry pral dit Badio comme moi chef ou mettre poser là m'a protégé ou Badio fait 4 visites dans résidence premier ministre Ariel Henry pendant le premier ministre information Washington Post donc les États-Unis lui-même li au courant de tout bagay sa yo blanc américain au courant de tout ça yo continue à supporter Ariel Henry là yo continue à signer accord avec un pouvoir qui chita sous sang, un pouvoir criminel. Eh bien, qui te m'di ou?
là m'ba fin trop comprendre m'ba fin comprendre ça k'ap fait là ça k'ap di a un ami internet m'konnen nou éclairer m'konnen nou aviser si nous comprendre nous capable grand ti moun passer fait m'comprendre rentrer dans espace commentaire aide m'clair parce que si les États-Unis a kimbe Ariel Henry pendant a critiqué façon la justice haïtienne la procédé avec enquête qui gen pouwe l'avancé avec enquête qui gen pouwe ak assassinat Jovenel Moïse alors que youn nan suspect yo ki se Ariel Henry yo continue a tété langarel yo continue a kimbe mil pour rete sous pouvoir. Ariel Henry gen volonté pour le tabayvag. Ariel Henry gen volonté, mesdames et messieurs, pour lage piel. Mais les États-Unis disent menti, mon cher. Les États-Unis disent pas gen bagay comme ça. Parce que nous confortable avec. Et les États-Unis kembe Ariel là tout. C'est pour leur besoin bagay pour Ariel pas ka gade ou nan zye. Donc Ariel déjà connaît li gon redevance envers les États-Unis. Et les États-Unis Kembel, c'est chaque les États-Unis t'a besoin bagaille dans pays a Ariel t'a dit non et puis on dit pas oublier non cité dans assassinat Jovenel Moïse et dossier Jovenel Moïse dans l'an mais nous donc les ça Ariel Henry pour le rétracter les ça Ariel Henry pour obligé fouer que l'en bas avant dit yo pas rentrer dans logique côté que yo pas supporter une équipe propre dans pays d'Haïti jamais. Tout moun ou est Occident ou est les États-Unis a supporté Jean l'autre la te dit là ou met quoi son mauvais grain ou met quoi le bon grain zano ka on fait de pour les États-Unis décider le Canada la France pays impérialiste yo dit y a marché avec un nèg ça pas propre. Nèg sa pa propre parce que pour yo toujours gagner yon indice négatif sou ou le yo ta décidé imposer ou yon bagay ki pa bon ou même ou pap ka camper gade yo ou même ou pap ka gade yo nan zye y a toujours mesdames et messieurs eh bien kembe mi sak pa bon eh bien ki te mdi ou citoyen krele Walter et ses Voltaire là semaine ça ordonnance tan supposé rendre ordonnance tan supposé rendre mesdames et messieurs et gagne gros courri dans république là parce que une fois ordonnance tan rendre les États-Unis même Jean Dicton proverbe et capable dit slogan vulgaire ça dit dans société haïtienne là a fourré pied dans tchaka. Les États-Unis pral foure pied dans Tchaka parce que mesdames et messieurs, yo décidé là pour yo changer bagay. Bon, ou imagine Walter et ses Voltaire te gen testicule. Ou imagine Walter et ses Voltaire te garçon et puis il te dit en fonction de argument, en fonction de ça me joine, il foure non Ariel Henry là, mais pays a t'a libéré. Marone, comme les États-Unis te ka toujours dit yo pa wel parce que gen moun nak pral nan rapport ki pral nan ordonnance définitive là ki pral nan ordonnance définitive là les États-Unis pral di li pa kwel moun sa yo la dan parce que moun pal hein et joue pal li pral di li pa kwel moun sa yo et bien ordonnance tan pendant semaine ça là information ngeye li ta dwe ran et en pile non cité juge an di genye le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince maître Jean-Edler Guillaume qui te acheminé réquisitoire définitif là nan carré juge là côté mesdames et messieurs te gon quantité non qui cité et nous connaît le juge instructeur li capable pas eh bien accorder d'office une notion avec réquisitoire commissaire gouvernement li pas obligé appliquer d'office la e bon droit qu'a fait impité li pas obligé appliquer d'office réquisitoire commissaire gouvernement bien
li pral chita sou li et nan jou kap et pa gen trop changement k'ap fait mesdames et messieurs. Ouais nan requisit 3 définitif commissaire gouvernement te acheminé auprès et juge instructeur Walter et Voltaire, pa gen trop gros changement k'ral fait. Pa gen trop gros changement k'ral fait sauf que bon grain nok pral ajouter là en pile k'ap pral casser mesdames et messieurs. Bon grain nok pral ajouter là c'est incapable de mélanger justice pour Jovenel Moïse. Bon grain non qui partenaire réquisitoire définitif commissaire gouvernement information là qui pral ajouter son gros taux son gros taux parce que Walter et c'est Voltaire lui même comme juge qui t'a instruit dossier gen bagaille li gen en main. Gen bagay li gen anmen, nan ordonnance final la, gen nok pral sorti, gen nok pral retire, gen nou tout ki pral ajoute. Et non sa pral ajoute a la, Jean animal politique nou, pa bo isit la, Joseph Lambert te dit, pral gen kouri. Pral gen kouri, tout moun rentre la kayo. Je sou mate li. Lambert apparaît la jou, pral gen kouri. Sami, Port-au-Prince gon seul kouri. Bon, Lambert ta de pran kodou, mais c'est. Lambert était comme ça, dit, mes amis, rentrez pral gen kouri. An yen k pap genye, Port-au-Prince tête en bas, tout moun ap kouri, kite marchandise yo a tel lage pie ou Lambert dit pral gen kouri. Pièce moun pa kon sa, an yen de kouri sa l'ap pale. Eh bien, mesdames et messieurs, gon gwo nou pral ajoute, m'di nou sa, rete la. Parce que ordonnance ta doit sortir li ta doit rendre pendant semaine ça soit jeudi lundi a, ou bien et demain mardi an. Au plus tard mercredi k'ap vinn la mercredi k'ap vinn la c'est ta date limite pour ordonnance ta déjà rendre et m pa bon menti pral genze même Jean sénateur te dit Zéan pral mélangé. Rete la, n'ap gen pou n'bo, tout détail, parce qu'on a gros bout de tonton émission. Mesdames et messieurs, Ariel Henry paniqué. Ariel Henry pas à l'aise. Nèg bon côté yo, yo wè, pa gen wout pa bwa. Yo propose Ariel Henry yon nouveau accord. Partisan pouvoir yo propose Ariel Henry pour signer un nouveau accord. Et le nouveau accord ça premier ministre par ouais tête là-dedans. Le nouveau accord ça PM Ariel Henry par ouais tête là-dedans mesdames et messieurs, qui ça passe? Suite avec accord 21 décembre qui caduc, eh bien, Ariel Henry, qui comprend pression qui gagne dans la rue, lui dit tête, lui, faut que nous jouions une sortie. Et n'est-ce qu'il côté lui dit, sortie pour nous jouer dans l'APM, information, sortie pour nous jouer dans l'APM, c'est à signer yon troisième accord. C'est à signer yon énième accord. Et si nous signons accord ça, nous pral fixer tête nous de nouvel objectif. Nous pral bay tête nous de nouvelles directions et yon nouvelle date limite pour nous quitter pouvoir. Ariel Henry dit selon information m'gagné, li pa kwè lan un nouveau accord. Li pa kwè un lot accord a possible, mesdames et messieurs. Parce que, quel que soit accord pral signé là, gen parti politique qui te signé accord 21 décembre, qui pa décide signé, le sa, c'est une quantité parti politique qui proche Ariel Henry qui pral signé accord. Même j'en ai dans l'accord 21 décembre. Non. C'est une quantité de partis politiques qui proche Ariel Henry qui pral signer accord. De ce fait,
Ariel Henry dit, mesdames et messieurs, ak nèg yo, pour qui ça fait, nous pas accepter proposition CARICOM nan. Qui sa proposition CARICOM nan te ye? Là, ou nan émission Allo Haïti. Et ses amis mon frère, Olivier Kaveko, Rale Kayo. La proposition de CARICOM était composée comment? Proposition CARICOM nan, mesdames et messieurs, li te genye la dan yon gouvernement bicéphale. Ça veut dire dans bon créole, yon gouvernement a deux têtes, a deux branches. Gouvernement a deux branches, c'est qui ça? Dans gouvernement bicéphale là, la bicéphalité dont parle le CARICOM, c'est yon gouvernement qui gagne là-dedans yon président, yon premier ministre. Eh bien, mesdames et messieurs, gouvernement bicéphale ça, Ariel Henry pas opté pour lui, c'est parce que Peterson Pierre-Louis, c'est parce que Ariel Henry pas voulu dormir dehors. Et l'opposition politique était optée pour, eh bien, une bicéphalité sans Ariel Henry. L'opposition ne voulait pas composer avec Ariel Henry. Et Ariel Henry dit tête libre, si opposition, mesdames et messieurs, yon vle yon bicéphale, yon vle yon gouvernement à deux têtes, côté abgen yon président et yon premier ministre, qu'en est-il de moi-même? Ariel la va égarer, non m'y va gen, il va sortir. Ariel dit, comment nous pral vin fè mette yon gouvernement à deux têtes, alors que moi-même, qui c'est premier ministre, nan nous dit n'a pas retiré. Donc, opposition politique la te dit, yon pas composé à Ariel Henry. Eh bien, CARICOM prend yon calotte marasa. Li la gepien, chita pale, moun boue, l'argent dépensé, pa gen rien tombé, mesdames et messieurs, nan, et hôtel là nan Petionville. Koun yon sak pral passe, c'est que, zami internaute, après ça là, Ariel Henry qui senti jouet la gâte nan men, premier ministre Ariel Henry qui comprend la bagay la pa douce, li ouè bagay la pa piti, li dit tête li, eh bien, si nous pas composé, même Jean Evans Paul Remedy, n'ap décomposé. Ariel Henry dit, mesdames et messieurs, avec acolyte yo, après rencontre qui fin fait là, nous comprenons nous avons volonté pour nous aider à gérer. Mais l'âme pour comme, toute pression, c'est sous moi. Ariel obligera les téléphones ni là, selon information. Selon information, nous avons un bon petit mamite, premier ministre Ariel Henry rale téléphone ni, après elle fin chita parler avec quelques nèg qui proche malgré des accords, malgré des accords, yon seri nèg qui boycott Ariel Henry. Malgré, mesdames et messieurs, yon seri nèg qui partage pouvoir ça avec Ariel Henry, yon dit PM, question rele CARICOM encore, question pour partager pouvoir, yon dit PM, non, yon parle bien. Eh bien, qui sa pral passe? Ariel dit lui-même, il pa kon dou le nèg yo, l'a oblige rele CARICOM. Et rele CARICOM, qui sa Ariel dit nèg yo, l'el fin konsete, li di, mwen pral propose CARICOM pou nou vin changer gouvernement. Mais, mwen pou la bicéphalité, mwen pou gouvernement a deux têtes là, là, c'est information gagnée dans vente bœuf là. Hein? Information gagnée dans vente bœuf là. Elle la gagne vente bœuf. Hein? Vente bœuf là, il la chita, mesdames et messieurs. Là, ou mettant des tripes fourmi vente bœuf, c'est elle là, n'a le chercher. Elle là, pour une prendre. Eh bien, mesdames et messieurs, qui s'est passé?
Ariel rele autorité yo, li nan CARICOM, li di yo ke li opte pou bicéphalité a. Li d'accord pour gouvernement de tête là, mais fòk li premier ministre. Hein? Fòk li premier ministre, si bon président k ap vin monte là, fòk li travaille avec. Et pas oublier, c'est encore dilatoire qui pral fait parce que Ariel Henry était toujours vle bicéphalité a, il était toujours d'accord pour un gouvernement de tête, mais il pas vle pour retirer là parce que l'opposition politique pas d'accord pour Ariel Henry rete dans gouvernement. Yo te dit yo pas composé avec Ariel Henry, ça t'est levé plume sous André Michel. Ça t'est fait André Michel manquer mourir sous compte yo. Pétionville. Parce que le tendait, oh oui, yo pral faire un gouvernement premier ministre pas là dedans. Paul Yo Jean-Baptiste même, li dit bon, les nous pas fait là avec et moi même qui côté nagin. Hein? Paul Géo dit ou les nèg yo décidé là, yo dit a pour TPM non, yo pas d'accord dans gouvernement et moi même, an pral faire avec. Donc jouette là, li gâté mesdames et messieurs. Donc dossier après changer phase. Eh bien kounya là, information gagné c'est que Ariel Henry relé autorité CARICOM. Il mandé yo si yo ka font tourner encore parce que CARICOM te dit li rete à la disposition des acteurs politiques yo. Le yo besoin l'a toujours là pour le vini et émissaire CARICOM yo. Selon information, yo parle là pour yo retourner dans pays d'Haïti. Hein? Émissaire CARICOM yo parle là pour yo retourner dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs, parce que Ariel Henry t'a déjà relé yo. Il dit li, Ariel là ba en pile menti tout. Ariel Henry dit li parle avec opposition politique là yo accepté. Pourtant, l'aime contacté une série nèg qui dans opposition. Hein? Yo di yo pa konn bagay sa même. Yo pa parle a Ariel Henry. Hein, yo pa parle a Ariel Henry alors que Ariel Henry di li parle ak nèg opposition yo, li di CARICOM yo met vini. Ça c'est information de bonne source. Yo relé émissaire CARICOM yo là pour yo tourner dans pays d'Haïti. Rete là information pa camper sur média ça. Et bien mesdames et messieurs, nan jou k'ap vini na yo, nou kapab wè bagay yo changé parce que Ariel Henry comprend nécessité pour laguer pied ou encore pour le composer mais le pas laguer pied. Li pas laguer pied et nèg ki nan do Ariel Henry. Colonne André Michel, colonne Edmond Supplice Bozil, Majorie Michel, Rosemila Petit Frère. Si toutefois mesdames et messieurs, Ariel ta vle aller, y a tout elle mi Ariel parce que yo cementé là ba Ariel Henry. Yo di Ariel, yo gen stratégie pour le rete là, li met tête fret et Ariel décide lui-même, li di fòk li sorti nan sa lié là. Pa gen jouet nan ça, nous-même n'ap tann mesdames et messieurs pour nous konn sa k pral passé. Yo lòt bò zami internaute fanatique média haïtien. Gen là Jitok qui c'est Global Initiative qui sont organisations qui basées dans pays la Suisse. Basées dans pays la Suisse, mesdames et messieurs, qui lui-même, zami internautes, qui c'est initiative globale contre crime organisé transnational, j'aime ça dire là, JITOC, qui, selon un rapport, Yo fait sous Cité Soleil à Canaran. Yo dit dans zone tant que Cité Soleil Canaran que yon quantité moun bandi touye et le bandi yo fin touye yo lage kò sa yo nan la rue. Et le al gade nan komoun sa yo pa jwenn yon série organe. Genye organe nan komoun sa yo nan ko kadav yo ke yo pa jwenn. Eh bien, organisation sa ki base nan ville Genève,
dans pays la Suisse, il fait qu'on est gang yo gagné clinique yo utiliser pour retirer pour encore pour mesdames et messieurs retirer organes dans corps moun yo après yo fin touye yo. Ça qui fait organisation quoi que gagnon question de trafic organes qu'a fait dans pays d'Haïti et plusieurs sources confirment pour organisation ça mesdames et messieurs jodia groupe armé yo vin mesdames et messieurs autonome économiquement n'de toujours dit ça jodia gon quantité acteurs qu'on a fourni si monsieur armé yo l'agent zam eh bien jodia nèg zam yo indépendant nèg zam yo autonome et c'est selon rapport JITOC là qui c'est mesdames et messieurs initiative globale contre crime organisé transnational qui basé dans pays la Suisse yo fait qu'on est bandi yo jodi a là yo pas prendre l'ordre dans main principal fournisseur à l'époque jodi a yo grand moun yo pas retendre ces moun k'ap vinn ba yo encore yo fait qu'on est mesdames et messieurs. Si dans le temps bandi yo te besoin cob pour yo fonctionner, c'est autorité qui te konn ba yo cob. C'est homme d'affaires qui te konn ba yo cob. Eh bien, yo fait cob yo pour ko yo et c'est nan men homme d'affaires ça yo entend yo pour yo prendre cob. Qui sa organisation dit? Gang yo en Haïti forcer entreprise yo payer jusqu'à 20,000 dollars américains chaque semaine. Et puis, fait yo bayo un pourcentage sous conteneur kap débarqué, organisation kap parlé. Et initiative là, mesdames et messieurs, qui nan pays la Suisse, nous di nou nan ville Genève, eh bien, yo fait qu'on est dans rapport ça, qui publié lundi 12 février 2024 là. Entreprise yo kon même aider bandi yo à faire livraison ou encore faciliter yo pour mesdames et messieurs livraison zam. Donc yo rentré comme yo gen franchise, comme yo gen droit yo gen conteneur k'a vini selon organisation ça mesdames et messieurs au lieu bandi yo touche cash nan men yo. Non mais entreprise ça yo fait au venir avec zam pour yo fait au venir avec munition au lieu pour yo ta prendre l'argent liquide organisation ça donc c'est pas moi qui est mi organisation dit bandi yo même yo pas prendre cob la cash encore yo fait deal yo mande zam au lieu pour yo prendre 20,000 dollars yo dit ou gen tant zam pour porter ban moi tel donc et entreprise obligé dégager pour acheter zam nan mettre dans container pour te bay. Eh bien pas gagner zami internaute jouet dans ça là selon organisation li fait qu'on est mesdames et messieurs gang yo qu'on ramasse 8,000 dollars américains par jour en rapport ça 8,000 dollars américains par jour, zami internaute. Surtout, nan route qui menait Port-au-Prince. C'est, nous comprenons, jodia, ça qui a passé là. Et au fait qu'on est, mesdames et messieurs, avec question kidnapping, non, gagné par année, c'est presque milliards qui rentrent sous cause kidnapping dans le pays d'Haïti. En tout cas, mesdames et messieurs, yon valait 25 millions de dollars par année. En tout cas, je vais là li vraiment mélanger dans le pays d'Haïti. Selon l'organisation, question kidnapping, li générer yon valeur qui estimé à
25 millions de dollars chaque année dans le pays d'Haïti. Donc, pas de route, pas de bois, chouette là, ligaté. Mais entre temps, nous avons demandé justice et libération pour les Arabes. Nous avons toujours dit, chaque année, nous avons émission là, libérer les Arabes, si malheureux, c'est marronné. Si le grand crime n'y fait, c'est parce qu'il demandait libération pays d'Haïti. Il demandait pour Ariel Henry Laguepil, libérer Arabe pour nous, mesdames et messieurs. Rete dans l'émission ça, rete là, sous Chanel ça. Rende nous service, abonnez avec, partagez l'émission nous. Chaque fois que vous tombez sous yo, son service soit pour nous, son façon pour ou même encourager le travail là, aider nous grandir. Pas négliger, commenter, pas négliger tout. Abonnez sous votre profil, invitez famous en faire même bagarre là. Émission ça, rele, allo Haïti, li passe sous Chanel ou abgade là, chaque jour. Pas négliger, ban nous love là. Moi-même, yore l'aime Olivier, et qui toujours là pour servir, qui sont serviteurs d'abord. N'allez, n'a rencontré dans la prochaine émission pour plus d'informations. Ciao, ciao, à la prochaine.